Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu tous les produits que j'ai pu utiliser ce matin. Et je vais vous faire ma petite routine voilà, du matin, tout simplement. Tous les soins, je les ai déjà appliqués. Je vais juste vous montrer ce que j'ai utilisé. Alors, première chose, le matin, je me suis nettoyé le visage aujourd'hui avec un nettoyant de la marque de chez Clarins. C'est un nettoyant pour les peaux mixtes à grasse que j'aime beaucoup utiliser. Il est vert et il est en forme de tube. Il est vraiment très très bien. J'aime beaucoup les produits de Clarins en fait. J'ai la flemme en fait. J'ai la flemme d'aller le chercher. Ensuite, pour le visage, j'applique le matin sur le contour des yeux ma petite véritable eau florale de Sanoflore que j'utilise depuis des années. Là, vous voyez, il est terminé. Là, il m'en reste une goutte. Mais je l'ai déjà racheté de toute façon parce que c'est un produit que j'aime énormément. C'est un produit qui est bio. J'aime beaucoup cette odeur et j'aime bien l'appliquer le matin. Tous les matins, j'aime utiliser ce produit. Et le soir aussi. Ensuite, pour la lotion, pour la lotion du visage, aujourd'hui, j'ai utilisé. Je sais pas si je m'en rappelle plus. Moi, j'ai utilisé ma lotion tonique hydratante de Caudalie, que j'aime beaucoup. On peut aussi l'utiliser sur le visage, il n'y a pas d'alcool. Et c'est un produit hypoallergénique pour le visage et les yeux, qui est très 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 agréable. Et ça, pareil, j'aime beaucoup, je le rachèterai sans problème. J'aime beaucoup les produits de chez Caudalie. Ensuite, bon, aujourd'hui, je ne me suis pas fait de soins, j'en ai fait de masques, j'en ai fait hier, donc je n'en ai pas fait aujourd'hui. J'ai utilisé ensuite, ça c'est un produit de la gamme Sisléa, lotion soins essentiels, qui se présente comme ça. Je l'ai vraiment depuis un bon moment, ça fait bien 6 mois que je l'ai. J'en suis à la moitié, en fait, il faut juste une, même pas, j'en suis là. Je ne sais pas si on voit. Ouais, j'en suis un peu. Moins que la moitié. C'est un produit c'est une lotion, mais qui va hydrater la peau, qui est très agréable. Il faut juste appliquer une pompe sur le creux de la main, masser, puis bien l'appliquer sur le visage. C'est très agréable. C'est un produit que j'aime beaucoup. Il coûte assez cher, mais il dure super longtemps. Donc, c'est vraiment un soin que j'aime beaucoup. J'avais peur qu'il soit trop hydratant, en fait. Et au contraire, il pénètre très bien dans la peau et ça laisse pas de film gras, donc c'est génial, je l'aime beaucoup. Donc de la gamme Sisléa de Sisley. Et curieusement, par rapport à d'autres produits, il sent pas du tout les plantes comme d'habitude, il sent pas grand, il sent rien d'ailleurs. Voilà, donc là c'est pour le visage. Ensuite, au niveau des yeux, moi j'ai appliqué sur mon contour des yeux de chez Dior mon soin régénérant de Dior, Yes Essentiel, que j'aime beaucoup, je l'achète depuis des années. Donc c'est un soin pour le contour des yeux qui régénère les cellules de la peau, du contour de l'œil. Et il pénètre très bien et il lift aussi, c'est en forme gel, il lift aussi le contour de l'œil et c'est ce que j'aime. J'aime beaucoup pour le matin parce que celui de chez Estée Lauder qui se présente comme ça, qui est pareil, hein, c'est aussi un soin régénérant. Mais celui-là, il est un tout petit peu plus gras. Donc pour le maquillage, je trouve que celui-là est beaucoup plus pour le matin et plus pratique. Voilà. Mais ils sont bien tous les deux. Hein, j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci. Et pour le contour des yeux, j'ai appliqué de Clinique, le Clinique Smart. C'est un soin réparateur sur mesure pour le contour des yeux. Il se présente comme ça. Je ne pourrais pas vous donner d'avis pour l'instant puisque je l'utilise depuis 2 semaines à peu près. Donc c'est un petit flacon pompe qui se présente comme ça. Et en fait, c'est un produit qui doit normalement s'adapter au type de peau de chaque personne. Donc là, c'est pour le contour des yeux, mais vous avez toute une gamme en fait de nouveaux produits de la marque Clinique. Et pour l'instant, la seule chose que je peux vous dire, c'est que au niveau du contour des yeux, enfin quand on l'applique, il a un petit côté velouté qui est très agréable, qui est très doux. Et voilà, j'aime beaucoup utiliser ce produit le matin. Après, je vous dirai en hiver, est-ce que c'est assez hydratant? Je ne sais pas. Mais il a quand même un fini qui est assez. Ouais, il laisse quand même un petit voile satiné sur la peau. Donc, voilà. Quand je l'aurai terminé, je vous dirai ce que j'en pense. Pour l'instant, c'est trop tôt. Mais j'aime bien l'utiliser. Il n'y a pas de souci pour l'instant. Pour le visage, alors,
j'ai utilisé, je l'avais acheté pendant les soldes au printemps dernier. C'est de la gamme de la marque Skin. C'est un soin revitalisant à la vitamine C, aux acides de fruits qui se présentent comme ça. C'est un produit XPRO. Voilà, ça se présente en forme de pipette comme ça. Vous avez 2-3 gouttes à mettre sur creux de la main, vous massez et vous en mettez sur votre visage. Je l'utilisais avant, en été, je l'ai utilisé que le soir pour ma peau s'habitue un petit peu au produit. Et puis quand on utilise ce genre de produit, il faut bien protéger la peau du soleil. Et écoutez, j'adore. Franchement, ça laisse la peau. Ouais, je crois que ça unifie bien le teint, ça lisse les ridules. Enfin, c'est un produit que j'aime beaucoup. Il en faut vraiment très très peu, donc ça dure assez longtemps. Et il faut éviter bien sûr le contour des yeux. Et vous en avez aussi de chez Body Shop. Nathalie en achète chez Body Shop. Donc ça, c'est un produit qui est vraiment rentré dans ma routine teint. Donc de la vitamine C. Et puis celui-là, il est très très bien. De la marque Skin, je ne sais pas s'ils vont. Je ne connaissais pas cette marque. Et il faudrait que je regarde chez Sephora s'ils le refont encore parce que j'ai bien aimé. Un autre produit, ça, c'est de Dr. Brand. Et là, c'est du collagène qui se présente comme ça. Je l'avais aussi acheté pendant les soldes. Et là, il me reste vraiment le fond. Et c'est très, très, très agréable. Ça, c'est un produit pareil qui pénètre, c'est un sérum qui pénètre aussi très, très bien dans la peau. Et voilà, bah, écoutez, moi, je sens quand je me mets mes fonds de teint, je sens que ma peau, elle est bien hydratée. Ça, il n'y a aucun problème. Et je sens qu'elle est prête à recevoir tout, à recevoir le fond de teint derrière. Et je suis très contente. J'ai pas de boutons. Je trouve que. Bon, bah, je trouve que. Je trouve que ma peau est pas si mal que ça, en fait. Donc, voilà, je suis contente de tous ces produits. Je connaissais pas Dr. Brandt. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a quand même pas mal de produits qui sont très bien de la marque. Voilà. Et pour terminer, de la marque Eluage, j'ai utilisé le concentré anti-rides. Celui-là, je l'utilise depuis un petit moment déjà. C'est pareil, c'est ma petite Nathalie, j'ai mis, comment est-ce que je vais l'appeler? Eugy les bons tuyaux, qui m'a fait connaître ces produits. C'est un correcteur de rides. En fait, c'est un produit qu'il faut appliquer sur les sillons. Donc moi, j'en applique ici, j'en applique sur le front, j'en applique un petit peu sur le côté, ici aussi, et je tapote. Ça permet, voilà. Moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est que ça me permette d'espacer mes séances de Botox, tout simplement. Donc, j'en fais qu'une fois par an, et j'ai envie de. Une fois par an, je trouve que c'est très bien. Et voilà, donc, moi, ce sont des produits que. Tous les produits que j'utilise, et c'est vrai que c'est important d'hydrater la peau au maximum. Donc, moi, j'hydrate vraiment ma peau. Voilà. Donc, et la marque Eluage, ce sont vraiment des bons produits, j'en ai utilisé pas mal. J'en ai plusieurs en fait. Et c'est des produits qui sont sympas que vous pouvez trouver dans les parapharmacies, enfin, dans tous les. Dans les parfums. Pas parfumerie. Parapharmacie et pharmacie. Voilà. C'est des produits de chez Avène. Très bons produits. Voilà. Et puis là maintenant, je vais. Appliquer ma petite base chez Sisley en teinte 1, c'est le Phytocerne de Sisley. Je l'applique toujours alors en hiver, en été non, parce qu'en été c'est pas la peine, mais en hiver, moi j'ai l'habitude d'utiliser ce produit. C'est un anti-cerne, mais en plus c'est un anti-cerne qui c'est un soin qui va hydrater la peau et qui va servir d'anti-rides aussi. Donc, j'applique ce produit toujours toujours en base pour protéger au maximum en fait le contour des yeux puisque c'est quand même la zone qui est la plus sensible, la plus fragile de la peau. Ah mais moi j'ai mes chiens là qui rentrent, qui sortent, c'est un truc. J'arrive pas à m'asseoir, hein, de rester tranquille toute une matinée. Me dire, tiens, je m'assois, je fais une vidéo et puis je suis pas dérangée, c'est pas possible.
Donc là, mon petit contour de l'œil est quand même assez bien protégé. Ça, c'est super. Et maintenant, je vais pouvoir passer en fait. Là, je vais utiliser mon fond de teint de chez Dior, Capture Totale de Dior. Donc, c'est un fond de teint qui fait partie de la gamme Capture Totale de Dior. C'est un fond de teint qui est anti-ride, qui est anti-tache, éclat. Voilà. Donc, c'est un fond de teint qui va permettre aussi de protéger la peau du froid. En été, non, je ne l'utilise pas parce qu'il est trop riche. Quoique, il est moins riche que celui de chez Sisley quand même. Hein. Mais en hiver, il a une très bonne couvrance. Là, je n'en mets vraiment pas beaucoup. Hein. J'ai mis une pompe, c'est tout. Il a une très très bonne couvrance. Il unifie bien le teint. Et il protège bien la peau en fait des agressions. J'en mets un tout petit peu plus quand même, parce que là, j'en ai vraiment pas eu beaucoup. Voilà. Voilà. Et là, je l'applique avec mon pinceau de chez ELF qui se présente comme ça. Mon petit pinceau de ELF qui ressemble énormément à celui de chez Sephora. Il est franchement, il est pareil. Voilà. Le fini, comme vous pouvez le voir, c'est un fini quand même assez mat, hein, y a pas. On pourrait même. Enfin, moi j'aime bien poudrer, mais de toute façon je vais me maquiller derrière donc. Voilà. Et moi ce que j'aime bien faire aussi en hiver, je vais vous montrer ça, j'aime bien appliquer juste derrière pour avoir une meilleure couvrance. J'aime bien appliquer derrière ma petite poudre minérale. Là, je vais utiliser celle de chez. Voilà, c'est celle-là. Là. Elle est un peu. Comme ça brille. Voilà. Donc moi, j'aime bien, en fait, pas forcément utiliser de la poudre pour. J'aime bien, en fait, utiliser de la poudre minérale pour unifier un peu plus le teint. Voilà, comme ça j'ai vraiment le teint parfait, nickel, pour l'hiver. Et la poudre de barre minérale est vraiment très très bien. Je l'applique avec le petit pinceau qui était vendu avec, qui est parfait aussi pour appliquer ce genre de produit, c'est bien. Je trouve qu'en hiver, personnellement, la poudre minérale en hiver pour moi, c'est pas suffisant. Par contre, en été, quand il fait beau avec le soleil, on a le temps à aller, je trouve que ce genre de produit en été, c'est génial, ça suffit et on est bien. C'est vrai, le fond de teint, c'est pas. Même la bébé crème, c'est quand même assez hydraté, c'est riche, c'est quand même riche. Tandis que ce genre de produit pour l'été, c'est nickel, ça unifie le teint, tout en légèreté, c'est super. J'aime beaucoup celle de barre minérale, elle est vraiment très très bien. Voilà, et bien écoutez. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo, j'avais 5 minutes. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vais continuer avec mes sourcils. Et puis, si je peux, je vais faire une petite vidéo tuto. Oubliez une chose. Je voulais vous montrer aussi un produit que j'ai acheté de la gamme Skinvic. Alors, Stivectin. Stivectin. Alors, ça se présente comme ça. Et en fait, j'avais envie de tester. Ma petite Sephora a l'habitude tout le temps de montrer un petit peu toutes les nouveautés. En fait, j'aime bien. Je m'intéresse beaucoup en fait aux nouveaux produits qui ressortent. Donc là, il y avait de la marque Strivectin, un soin volumateur pour les lèvres. Donc. J'ai voulu tester ce produit, pas pour le soin volumateur, parce que je n'ai pas envie de. Enfin, c'est pas mon truc d'avoir des lèvres pulpeuses, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, c'est un soin qui va
protéger les lèvres du froid, et ça va permettre aussi en fait d'avoir les lèvres qui vont pas, d'avoir par exemple le rouge à lèvres qui ne va pas s'effilocher en fait. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Donc vous avez une petite pipette qui se présente comme ça. Hop, et vous avez du produit qui sort là, j'en ai mis un tout petit peu trop. Et c'est un soin pour les lèvres en fait. Donc avant de me maquiller, ça va protéger en fait le contour des lèvres. Et pourquoi il est évoluateur? Tout simplement parce que moi j'aime beaucoup cette sensation, c'est très agréable. En fait, il est mentholé et c'est pour ça qu'il fait un effet volume. Voilà. Et donc moi je le laisse poser comme ça pendant que je me maquille, je mettrai mon rouge à lèvres derrière. Et voilà, il est hyper hydratant. C'est très agréable. Et donc pareil, j'aime bien cette sensation en fait de menthol sur les lèvres. Ben je trouve ça très agréable. Ça ressemble à un baume pour les lèvres. Et c'est très agréable. Donc après, est-ce que c'est un soin volumateur des lèvres anti-âge, tout simplement. Voilà. De Strivectine, hein, je vais y arriver. Hein. Voilà. Je voulais vous montrer ce produit. J'aime beaucoup cette sensation sur les lèvres, c'est vraiment agréable. Voilà. Et ben écoutez, je vais continuer mon petit maquillage. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bisous. Au revoir.